Père éternel, nous sommes venus ici, présentés aujourd'hui, pour recevoir toi. Nous te fondons une femme. Seigneur, pour te connaître encore davantage. Nous veux nos mères kennen. Seigneur, afin que lorsque nous sortons d'ici, Père éternel, damit wenn wir hier rausgehen, nous serons meilleurs qu'avant. Parce que c'est la meilleure à sa vie. Attachés encore à toi. C'est ton mère qui kennen. Parce que nous avons besoin de toi, Yahushua. Nous te supplions, mon Dieu, wir bitten dich, interviens au milieu de nous. Tout va se passer. Que ton nom soit glorifié. Amen. 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 Donc, je suis content d'être là avec vous. Je vous ai envoyé un texte là. Et c'est toujours une joie de se retrouver avec les frères un peu de partout, les frères et sœurs de partout. C'est ma joie de discuter que je suis sur ta. Je crois que c'est la première fois que je vous visite ici à Bonn. Est-ce que c'est vrai, c'est aussi que Bonn. Même si on a déjà organisé beaucoup de rencontres ici. Même si on a déjà organisé beaucoup de rencontres ici. J'ai béni Dieu, il m'a permis d'être là aujourd'hui. Et bon, je demande au Seigneur, mais on va partager quoi? Qu'est-ce que je peux vous donner? Ou bien qu'est-ce que je peux aussi recevoir? Jusqu'à présent, j'ai déjà beaucoup reçu. Tous ceux qui sont passés avec tout ce qu'on parle, c'est. Amen. Mais je vais quand même partager, je vais partager quelque chose qu'on a vécu récemment. Il y a peut-être, je crois, 2 semaines de cela, on avait une nuit de prière. Une nuit de prière à Munich. In München. Et pendant la prière, Gebet, je crois juste au début même de la prière, j'étais en train de parler, oh Seigneur, 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 nous voulons te vivre. Le sujet donné, c'était. Le sujet de prière, c'était Seigneur, nous voulons vivre ta présence. Qui veut vivre la présence de Dieu? Tout le monde, hein? Donc je suppose que nous tous ici, nous sommes chrétiens. Sommes-nous tous des chrétiens ici? Qui peut me donner la définition de chrétien? Wer kann mir die Bedeutung von dem Wort Christ geben? Wie Christus. Comme être comme Christ. Genau. Wie Christus. Être comme Christ. Wie Christus sein. Sommes-nous comme Christ? Sie sind wie Christus. Oh, vous ne l'avez pas le nom. On sait pas. On sait. On sait. Ah, tout le monde a fait les chercheurs. Amen. Vous savez, la définition du mot Christ. Oui, c'est la définition de la bibliothèque que nous voyons. Christ. En fait, chrétien. Christian. Christ, c'est le Christ sein. Donc, dans Actes 11. Hein? In Apostelgeschichte, chapitre 11. Donc, en fait, ils ont vu un peu comment les chrétiens se comportaient et vivaient. Also, die Leute, die Stadt haben die Christ gesehen, haben gesehen, wie sie sich verhalten haben. Ils ont les disciples de Jésus. Die haben die Zeugen oder die Jünger von den Jesus gesehen. Et à travers leur manière de faire, fonctionner, de vivre. Und so wie die Jünger sich benommen haben, gelebt haben. Parce qu'ils avaient aussi vu le Seigneur, Yahushua. Weil die Jünger auch den Herrn gesehen haben, also deren Meister, Yahushua. Ils ont dit, ce sont les chrétiens. Haben die Leute der Stadt gesagt, diese Menschen sind Christen. Et c'est là où le terme chrétien est né. Da stammt das Wort her. Donc tout simplement pour dire, ils sont comme Jésus. Ganz einfach um zu sagen, diese Leute sind wie Jesus. Et or le mot Christ, Jésus Christ. Aber das Wort Christ, Christus, also Jesus Christus. C'est là d'où vient le mot chrétien. Von da kommt das Wort Christ sein oder Christ sein. Ça veut tout simplement dire être un. Das Wort Christus, also Jesus Christus bleibt gesalbt. Christus. Finalement, le tableau n'en a écrit tout ça, mais on va se laisser conduire. Donc, en fait, on se rend compte que un chrétien est un. Also, wir stellen fest, ein Christ ist gesalbt. Amen. Amen. Un chrétien est un. Ein Christ ist gesalbt. Il est comme Jésus. Er ist wie Jesus.
Et maintenant, on doit se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire être un? Mais ce que je crois que je vais vous dire, c'est quoi être un? Qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Je vous demande ici, les bons écoliers, ils sont où? Je dis, je ne sais pas. Du coup, je suis là. Je dis que les Shreba viennent s'asseoir souvent devant. Voilà, les Shreba, pas encore. Mais bon, ceux qui veulent avoir les bonnes notes, elles viennent se mettre devant. On ne va pas demander à ceux qui sont devant. Parce que ceux qui aiment se cacher, ils vont aller derrière. Il faut que je gagne en guerre. Amen. Amen. C'est quoi Ouma? Was ist es gesagt zu sein? Personne? Oui, ma soeur. Ils sont mis à part. Mis à part. Aber sie sind abgesondert. Also von etwas weggenommen zu werden. Quoi d'autre? Quelqu'un choisi par Dieu et envoyé aussi par Dieu. Choisi par Dieu, envoyé par Dieu, mis à part. Also abgesondert, oder sagt jemand, wurde von der Herrn ausgewählt oder von Gott gesandt. Être au moins, c'est quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu, qui a même l'Esprit de Dieu, parce que Esaïe le dit par le Seigneur lui-même. Il m'a envoyé. Donc, pour être au moins, il faut être dans la. Il faut avoir l'Esprit de Dieu en toi, être marqué du sceau. Also, une personne qui est füllt ist vom Heiligen Geist, wie Esaïe uns sagt. Ok, donc en fait, un oint, c'est celui qui a reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Das ist eine gesalbte Person, ist eine Person, die den Heiligen Geist empfangen hat. Amen. Amen. Donc en fait, les chrétiens, c'est ceux qui ont reçu le Saint-Esprit de Dieu. Also, les Christen sind diejenigen, die den Heiligen Geist empfangen haben. Alléluia. Amen. Bon, maintenant, on va continuer les questions. Gut, celui qui est oint. Die Person, die gesalbt ist. Qui a reçu l'Esprit de Dieu. Die Person, die gesalbt ist und den Heiligen Geist in sich hat. Qui est son Seigneur? Wer ist Herr? Non, non, c'est bon. Qui est son Seigneur? Wer ist Herr? C'est qui? C'est qui ça? Yahushua. Celui qui l'a moins qui est son Seigneur. Dieu ou bien Yahushua? C'est Yahushua. Amen. Yahushua est Dieu. Yahushua est Dieu. Oui. Amen. Yahushua est son Dieu. Amen. Amen. Tous d'accord. Amen, pasteur. Donc, un chrétien, un Christ, il est comme son Dieu. Es wie sein Gott. Il est comme son maître. Wie sein Meister. Amen. Amen. Bon, maintenant, nous étions en train de prier. Ah non, mais il faut que je revienne à ça, à cette histoire. Also, in der Nachtgebet. Ich komme wieder zurück zur Geschichte. Nachtgebet, wollen wir beten. Seigneur, nous voulons ta présence. Ja, wir wollen deine Gegenwart. Ta présence. Deine Gegenwart. Deine Gegenwart. Et là, le Seigneur me donne un verset. Und der gibt mir ein Vers. Et quand j'ai reçu ce verset, j'ai stoppé la prière. Stoppé la prière pour dire non, ça ne sert à rien d'avancer, de trop prier. Parce que quand on dit aux enfants des chrétiens de prier là, hey! Quand on a une assemblée là, quand on a dit de prier, il y a un moment où on dit la folie de Jésus. Ich kenne eine Gemeinde, da, wo man sagt, bei den Leuten anfangen, da kommt die werden verrückt in Jesus. Les gens prennent des chaises. Mit dem Stuhl, die gehen richtig ab. On s'en prie. Und die Bett schreien, die sind richtig aktiv. On transpire. Die schwitzen. Die non, les frères, les frères, sœurs, stop. Ich stop. Stop. Calm down, calm down. Wir wollen prendre Luc 6. Lukas, Kapitel 6. On va partager ceci ensemble. Je vais vous en faire. Nous sommes tous là, quand même. Amen. Lucas, chapitre 6. Ce que j'aime bien, c'est que dans la BJC maintenant, c'est plus non. Luc, c'est Lucas. Comme on dit en allemand, bien sûr. Luc 6. Lucas 6. Nous allons aller prendre le verset 46. Vers 46. Ja. Qui peut lire ça? Qui peut lire ça? Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Amen. Auf Deutsch. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr?
Donc tout riche parce que Isaac. Donc vous comprenez maintenant pourquoi j'ai stoppé la prière. Sachez que par contre, je vais développer dans le monde. Donc si je pose cette question-là ici, on va stopper aussi la prière, on va d'abord se calmer. Mais vous allez faire une tête de même heure. Vous savez, c'est comme tu viens par exemple pour. Tu amènes des requêtes. Tu as beaucoup de sujets à partager avec une personne. Et quand tu viens, il te dit non, moi c'est ce sujet-là que j'aimerais bien traiter. Qui n'a rien à voir avec la liste que tu avais. Ça va te pousser à. Tu vas mettre ta liste de côté. Il dit bon, voilà le point là, qu'on règle ça. Donc, il règle ce point. Alléluia. Amen. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, net et méchant, Herr, Herr, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? On ne tout n'est pas ce qu'il s'agit. Alléluia. Amen. C'est dur, hein? C'est hard. C'est en rapport avec l'obéissance. Et le sujet, c'était quoi? C'était, je veux vivre ta présence. Qui veut vivre la présence de Dieu? Tous, non? Tous, nous voulons vivre la présence de Dieu. Vivre la présence de Dieu, c'est en fait manifester la vie de Dieu. Les disciples, ont été reconnus par la vie qu'ils manifestaient. Donc en fait, c'est comme si Dieu se manifestait à travers eux. Non, c'est comme si les gens n'ont pas vu ses disciples. Ils ont vu Jésus. Et ils ont dit, comme Jésus. Chrétien. Waouh. Il vivait la présence de Dieu. Donc en fait, quand le Seigneur a posé cette question, quand j'ai reçu ce verset, je vous dis, j'avais comme honte. Vous avez la honte? Tu vois, quand tu viens en prière, Seigneur, tu es chaud, chaud pour prier. Parce que tu veux vivre les choses du Seigneur. Tu veux parler avec ton Dieu. Donc tu es tout chaud là. Tu te dis, moi je suis enfant de Dieu. Chrétien. Christ. Très ferme. Tu es sûr. Chrétien. Christ. Et là tu viens avec une attitude. Tu veux vivre sa présence. Une question simple. Pourquoi tu me dis, tu m'appelles Seigneur, Seigneur, et tu ne fais pas ce que je te dis? Tout le sujet compris. Pour vivre la présence de Dieu. Pour vivre Dieu. Il faut faire ce qu'il dit. Et on veut prier. On verse plein de versets là. Notre liste là. Elle est longue. Et dans la liste là, chaque fois on sort toujours Seigneur. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Seigneur. Vous savez, quand tu dis Seigneur, ça veut dire comme tu t'adresses au maître, celui qui est plus élevé. Toi, tu es en bas. Bon,
Comment dire à quelqu'un maître lorsque tu ne fais pas ce qu'il dit? On est tous classés parce qu'il faut faire l'autre. En quoi il est maître? Il veut faire l'essai d'un maître. Si on ne fait pas ce qu'il dit. Il veut chercher tout dans ses actes. Est-ce que vous comprenez? En fait, si tu fais ce que tu veux, tu es ton propre maître. Tu es ton propre maître. Tu es ton propre seigneur. Tu es ton propre Herr. Tu n'as pas un seigneur. Tu as quelqu'un Herr. Est-ce qu'on se rend compte? Fâchez sur ça. Seigneur, Seigneur. Herr, Herr. Donc en fait, le Seigneur regarde et dit, mais ces gens-là, ils m'appellent Seigneur. Moi, je ne suis pas leur Seigneur. Ils sont leur propre Seigneur. Eux-mêmes sont leur propre Seigneur. Comment m'appelle-t-il Seigneur? Parce qu'ils ne font pas ce que je dis. Quand je venais en route ici, j'étais au téléphone. Et la personne qui parlait avec moi m'a sorti un verset. Disait, ah, je méditais la parole aujourd'hui et puis je suis tombé sur ce verset-là et ça m'a beaucoup, j'ai compris quelque chose encore. Dans Jean 10. In Johannes 10. On va parler là-bas, vous connaissez. Quand on parle du bon berger. Et le bon berger dit, mes brebis, meine Schafe, entendent ma voix, hören meine Stimme, et elles me suivent, und folgen mir. Et il disait, c'est un rapport avec l'obéissance. Mit Gehorsam zu tun, mais après, il ajoutait encore, ce n'est pas seulement ce qu'on lit ici dans la parole aussi. Mais c'est aussi le moment où Dieu peut nous parler dans notre cœur, nous parler par des visions, Et je me retrouve encore dans tout ce dont on parlait concernant, tout ce dont j'ai médité concernant l'obéissance. Je vais raconter une petite histoire. La dernière fois, je revenais du boulot. Et dans ma voiture, j'ai pris les flyers. Comment on appelle ça encore en français? Les traités. J'ai mis ça à côté. Je me suis dit, un jour, peut-être, si je parle avec quelqu'un, je vais donner ça. Je revenais. Je conduisais, je sortais du boulot. Auf der Rückfahrt, von Arbeit, ich fahre. Voilà la maison. Auf dem Weg nach Hause. Je sens dans mon cœur. Je spüre in meinem Herzen. Qu'il faut aller distribuer les flyers. Je muss diese Flyers da verteilen. Je regarde les tubes comme ça. Je gucke diese Flyers an. Voilà, c'est fort. Das ist das viel zu hart. Je conduis. Je pars, weiter. Et l'endroit me vient à l'esprit. Und der Ort sogar, wo ich teilen soll, komm mir im Geist. Et après, je me rappelle, j'ai fait un songe. Und dann erinnere ich, ich hatte einen Traum gehabt. Que j'ai distribué les traités là-bas. Und im Traum habe ich gesehen, wie ich die Fleisch erteilt habe. Ich war weiter. Und dann, je vais me rapprocher déjà de la zone où si je dépasse le carrefour pour retourner là, ça va être chaud. Und ich war schon an einem Ort, wenn ich die Kreuzung fahre, dann ist es schwierig, wieder zurückzukommen. Oh, je suis parti. Und ich fahre weiter. J'arrive là-bas. Je suis là. J'étais seul. Also, dieser Ort angekommen, wo der Rutsch war. J'ai garé au parking. Ich habe geparkt. Je suis resté dans la voiture 30 minutes. 30 minutes im Ort gegeben. Also, da habe ich verteilt heute im Ort. Un combat. Ein Kampf. Je m'arrête, je prie. Ich bin der Herr, du bist groß, du bist sehr groß. Oh Gott, je t'adore. Ja, ich lobe dich. Ich lobe dich, ja. Et à un moment donné, tu ne fais pas ce qu'on t'a dit. Tu ne fais pas ce qu'on t'a dit. Je me suis
suis levé. D'habitude, on organise un truc. Avec les frères et sœurs. Venez, on va les distribuer. Donc, quand nous sommes nombreux là, on va. Et là maintenant, seul. Oui, allez. Je suis sorti du parkhouse. Tu descends. Allez, France, qu'est-ce qu'il y a? Je suis sorti, je commence à dissiper. Sans, comment on appelle ça? Sans autorisation. Je me suis dit, parce que je me suis rappelé de la loi. Parce qu'il paraît que si tu restes dans un endroit et que tu distribues, il faut avoir l'autorisation. Mais si tu bouges, t'as pas besoin d'autorisation. Moi, j'ai fait le tour du parking. Et à un moment donné, après, je suis remonté. Je me dis, je peux faire ça seul. Kann ich allein selbst machen? J'ai pas besoin de quelqu'un. Ich brauche niemanden. Je suis pas obligé d'organiser quelque chose. Ich brauche nicht irgendwas zu organisieren, zu anzurufen. Nein. Je suis rentré à la maison. Ich bin nach Hause angekommen. Mon cœur dans la joie. Mein Herz war voller Freude. Et à un moment donné, je disais, mon genre, lisez et jetez. Un moment, si tu ne veux pas, lis quand même, mais après tu peux jeter. Wenn du es nicht willst, lis wenigstens. Aber danach kannst du wegschmeißen. Et une fois, même à faire, non, seulement lire, et puis après, je ne sais pas beaucoup. Alléluia. Amen. Et en route, pour ici, là, ma femme est en train de raconter un témoignage d'une personne. Une dame qui a accepté le Seigneur à travers les tracts. Elle a pris ça comme ça. Elle a vu que c'était un truc en rapport avec Jésus. Elle a mis dans son sac. Et après des semaines ou des mois, je ne sais même pas combien de temps. Un jour, elle s'est rappelé qu'il y avait ça à la prière. Et paf, elle a accepté le Seigneur. Frères, nous ne savons pas comment les choses se passent. L'obéissance. C'était comme un peu de la folie ce jour-là. Qu'est-ce que tu es en train de rouler? Tu vois ça là? Je vais en faire. Beim Fahren sagt er zu mir, geht vielleicht verteilen. Wirst du sowas in der Bibel finden? Nein. Wirst du den Vers finden? Bon, à quoi nous sert la relation avec Dieu? Also, wir müssen uns die Frage stellen, was bringt uns die Beziehung mit Gott oder zu Gott? Si c'est seulement une relation où nous on vient toujours pour dire. Wenn es nur eine Beziehung ist, wo wir ihn nur zu texten, wir labern, labern nur. Seigneur, aide-moi. Hey, help me. Seigneur, aide-moi. Help me. Seigneur, aide-moi. Help me. Les sorciers m'attaquent. Die Teufel kämpfen mich. Oh, je ne dors plus bien. Ich schlafe nicht mehr gut. Mon cœur. Mein Herz, ich sterbe. Hey, help me. Mais maintenant, il dit bon. Er sagt, hey, jetzt, aber. Tu es mon enfant. Bist du mein Kind? Ja, ja. Va faire ça. Tout das, was ich will. Je vous raconte après une autre histoire. Un jour, je priais le matin. Je bêtais le morgens. Et paf, j'ai une vision. On a une vision. Dans la vision, je vois une femme de mon qui travaille chez moi. Du boulot là. In der Vision sehe ich eine Arbeitskollegin. J'ai jamais parlé avec cette femme. Donc, nie mit der Frau gesprochen. Je vois seulement le visage. Oui, Gesicht. Et je reconnais la personne dans le songe. Dans un état terrible, comme il y a la caméra, je ne vais pas dire exactement dans quoi elle était. Peut-être qu'on va voir ça un jour. Die Kamera da ist, wenn ich nicht genau sage, war in einem schrecklichen Zustand, die Dame. Ah, je me lève comme ça, j'ai dit, je bin aufgewacht, und ich war. Je pars au travail. Le même jour, Tag, je vois la femme va venir comme sich ça. Die Frau, die kommt elle vient de loin. Die kommt intérieurement. Merci. Bah, lui, les
Zach de Hetmeer, je prêche des formulaires. Pendant qu'elle vient comme ça, de loin, mon corps a fait Von weitem, mein Herz klopft. Tu sursautes d'abord. Laisse un peu erschreckt. Je vois comment. Quand j'avance, c'est pas comme ça. Elle avance. Au début, je tremble un peu comme ça. Plus je me rapproche, je tremble vraiment encore plus. C'est ta grand-mère. Plus elle se rapproche comme ça, tout. Même regarder la forme dans les yeux, je crois que c'était impossible. Je crois que c'est une image de l'âme, Michel. Parce que plus tu avances, tu te dis, mais cette dame-là, elle ne me connaît pas. Weil umso besser ich näher sehe, sie fragt mich doch gar nicht. Ich kenne sie auch nicht. Komm mal, aber reagieren. Wie wird sie reagieren? Nee. Ah, je, je. Ich bin passé. Ich bin vorbeigegangen. Nee. Est-ce que je pouvais encore dormir? Aber danach konnte ich überhaupt noch schlafen. Chaque fois. Jedes Mal. J'étais so blöd. Ich war ungehorsam. Ah, ja. Quand tu viens pour prier comme ça. Wenn du kommst, um zu beten. Seigneur! Herr! Herr! Seigneur! Herr, mein Gott! Seigneur! Ah, Herr! Oh! Das ist dein propre Seigneur! Ich? Nein, nicht ich. Du bist dein eigener Mann. Du bist dein Seigneur. Du bist dein eigener Herr. Moi, je suis pas ton Seigneur. Après, je joue pour mon courage. Das Einzige ist, war ich mutig. Après un mois! Einen Monat wurde ich mutig. Wo man bekommt. Stellt euch vor. Wir wollen. Ich gehe zur Frau. Du joues. Ich sagte, heute werde ich das. Ich komme entgegen. Il dit, Jésus t'appelle. Le Herr Jesus ruft dich. Jésus me dit de te dire. Le Herr sagt mir, ich soll dir sagen. Et j'ai expliqué le problème qu'elle avait. Ich habe den Problem erklärt. Ce que j'avais vu. Das, was ich im Traum gesehen habe. La femme, elle devient toute rouge. Die Frau wurde komplett rot. Elle commence à pleurer. Elle me dit, t'es pas un sorcier, toi? Du bist keine Hexe, du? Comment tu as fait pour savoir ça? Woher weißt du das? Qui t'a dit ça? Wer hat dir das gesagt? Parce que j'avais vu dans un état où il n'y a que Dieu pour voir. Ich habe dir einen Zustand gesehen, da kann nur Gott sein. Elle m'a regardé comme ça, elle dit non, c'est pas possible. Das kann nicht sein. Elle a fui. Ist abgehauen. Elle dit, chaque fois qu'elle me voit, elle dit non, lui. Laisse-moi venir. Der ist medium wahrscheinlich, der ist normal. Il est dangereux. Der ist gefährlich. Et mon cœur était blessé. Mon cœur était blessé. Oh, Seigneur. Ah, yeah. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est seulement que je t'avais oublié. Va, là-bas. Alléluia. Amen. Cette histoire le dit Seigneur, Seigneur. Qu'est-ce que j'ai dit? Herr, Herr. Disons-nous la vérité. Comment nous sommes notre propre Seigneur? Ce moment là où vous êtes égaux. Ces gens ont mon nom des lèvres. Leute loben mich von ihren Lippen. Mais leur cœur est éloigné de moi. Ihr Herz ist fern von mir. Le frère a donné ce verset là tout à l'heure, non? Ce n'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur qui rentre dans le monde, monsieur. Donc en fait, la même chose à l'heure. Seigneur, Seigneur. Maintenant, posons-nous la question. La même question que j'ai posée aux frères et sœurs ce jour-là. Pourquoi nous désobéissons au Seigneur? Disons-nous la question. Pourquoi sommes-nous désobéissants? Alléluia! Amen! Ah, ça a duré, hein? C'est lange et forte. On a pris le tableau. Une table, genommen. On a commencé à écrire. On a commencé à éclairer. C'est là que je vais. Ça, c'était dans la nuit de prière. Voilà. Commencé à écrire. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on soit désobéissant? Où est-ce que nous sommes désobéissants? Inwiefern sind wir ungehorsam? Oder wo sind wir ungehorsam? Et ensuite, pourquoi je désobéis ici? Pourquoi je ne fais pas ce que Dieu me demande de faire ici?
Mon frère, ma soeur, meine Geschwister, quand tu rentres dans cette étude, wenn du in diese Studie reingehst, tu rentres en profondeur, und noch tiefgründiger reingehst, tu vas trouver ton propre Dieu. Wirst du deinen eigenen Gott darin finden? Pas le Dieu de la Bible. Nicht den Herrn der biblischen Bibel. Tu vas trouver qu'il y a quelque chose. Du wirst finden, dass alles gibt irgendetwas. Il y a le contrôle sur toi. Qui dich kontrolliert. Qui est plus fort que toi là-bas dedans. Die viel stärker ist als du da drin. Que toi-même tu as élevé. Und du hast es selbst erhoben. Qui est ton Seigneur. Und dieses Ding ist dein Herr. Et tu ne te rends même pas compte. Und du merkst es gar nicht. Tu ne te rends même pas compte que ça te gère. Du merkst es gar nicht, dass es dich fühlt, dass es dich kontrolliert. Vous voulez comprendre un exemple? Un exemple? Prenons un exemple. Vous voulez un exemple? Bon. Nous avons combien de temps? Nous tous chaque jour. 24 heures. Vous pouvez juste nous chercher sur plus de 1 minute. Et là? 24 heures, non? 24 heures. 24 heures. Ok. Combien de personnes ici sont satisfaites de leur vie de prière? C'est un exemple. Zufrieden mit seinem Gebetsleben. Toi, tu es satisfait de ta vie de prière. Et le reste? Et le reste? Non. Je suis satisfait de ma vie de prière. Tu as posé une question. Je vois à la question. Il y a une, nous sommes ce nombreux, il y a une seule personne qui est satisfaite de sa vie de prière. Où est-ce? Amen. Amen. Les autres ne sont pas satisfaits. Andere aber nicht. Moi aussi, dedans. Ich auch nicht. Parce que tout simplement, je veux plus que ça. Warum? Ganz simple, ich möchte mehr als das, was ich gerade tue. Amen. 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 C'est ça, non? Oder? Parce que vous voulez donner plus. Simple, weil ihr wollt mehr geben. Se donner encore davantage. C'est ça, non? Ist noch mehr als mehr Opfer, oder? Donc. Mais maintenant, on doit se poser la question, pourquoi nous n'arrivons pas à donner davantage? Seigneur, je veux prier. Herr, ich möchte beten. Je veux prier davantage. Je möchte noch mehr beten. Pourquoi? Warum tue ich das nicht? Et quand tu commences à te poser ces questions, wenn du anfängst, dir die Fragen zu stellen, il y en a qui vont te dire, je n'ai pas trop de temps. Andere werden sagen, ah, je n'ai pas trop de temps. Ça, c'est juste un exemple. Ein kleines Beispiel. Je n'ai pas trop de temps. J'ai pas trop de temps. Et là, tu te poses encore la question. Und da stellst du dir nochmal die Frage. Pourquoi je n'ai pas le temps? Warum habe ich keine Zeit? J'ai 24 heures par jour. J'habe jeden Tag 24 Stunden zur Verfügung. Qu'est-ce qui prend mon temps? Was, wo opfere ich meine Zeit? Qu'est-ce qui prend notre temps? Was raubt mir meine Zeit? Dis-moi, qu'est-ce qui prend notre temps? Distraction. Ablenkung. Le travail. La Arbeit. La télé. Fernseher. Le téléphone. Moi, j'ai quand même assez de temps pour prier, mais j'ai pu se sauver dans le monde. Aller de l'avant, ok. Mais tu veux aller, tu veux faire plus. Et pourquoi tu ne le fais pas? Donc, on ne va pas entrer dans les détails chez toi, laissons tomber. Donc, qu'est-ce qui prend ouais, le travail hein, et étudier le travail. Étudier le téléphone. Le téléphone, réflexe. Donc, on n'est pas discipliné. Donc, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses dans notre vie qui nous empêchent de donner le meilleur de nous. Amen. Amen. Donc, si je comprends bien mon frère, toi tu as déjà donné le meilleur de toi. Je peux répondre. Je peux répondre parce que vous avez posé une question. Votre question, si je suis satisfait de ma prière, je dis oui. Puisque moi je suis sorti des ténèbres, je n'ai rien à prouver à Dieu selon moi. Donc c'est Dieu qui fait tout.
Donc, comme vous avez dit, on obéit et Dieu fait le reste. Donc, si on est dans l'obéissance, je ne vais pas trop taper fort. Bon, je peux prendre un exemple. Au travail, il est interdit formellement de parler de Dieu, de dire même de Dieu, parce qu'il y a des musulmans, il y a Bouddhistes, donc tu ne peux pas. Mais moi, je parle, eux, ils acceptent. Bon, ce n'est pas ma force. Donc, je me dis, c'est Dieu. Donc, je suis satisfait de ce que Dieu fait, moi. Parce que la prière, c'est d'abord ton comportement. On vient de le dire, ce n'est pas aussi crier. Parce que si tu pries et que tu ne fais pas, c'est zéro. Parce qu'un jour, je disais même à ma femme, on prie. Mais si ton caractère n'est pas selon la prière, c'est pourquoi je dis, je suis satisfait. Parce que je ne peux pas demander à Dieu. Si mon niveau est, supposons, à la première classe, je ne peux pas demander à Dieu de m'amener à la troisième classe. Je n'aime pas trop demander. Parce que d'où je suis sorti, je sais d'où je suis sorti. Donc je n'aime pas demander, j'aime me plier pour que lui me guide comme un père. Mais nous, bon, on aime demander, ça crée trop de problèmes. Donc moi, je n'aime pas demander. Père, donne-moi ça, père. Un vrai père donne ce qu'il veut. On dit qu'il connaît les bonnes choses. Il y a des enfants, je les donne ce qu'il veut. Donc Dieu aussi me donnera ce qui est bon pour moi, même si c'est pénible. Donc c'est pourquoi je dis, je suis satisfait de ce que Dieu fait avec moi. Amen. Bon, maintenant, donc à ceux qui ne sont pas, satisfaits, qui veulent aller plus loin, qui veulent donner davantage. Vraiment, j'ai une question aussi. Oui. Aller plus loin, selon tout un chacun, c'est, je pose cette question. Ils veulent aller où? Où plus loin? Ils veulent dépasser Dieu? Ou bien ils veulent... Bon, en fait, il faut que je t'explique ce que ça veut dire aller plus loin. Parce qu'en fait, la Bible dit que nous devons, de connaître le Seigneur. Nous voulons le connaître davantage. Nous voulons le vivre davantage. Oh, moi là où je suis là, je crois que je n'ai pas quand même vraiment vécu le Seigneur. Notre Dieu est tellement immense et tellement grand. Il y a beaucoup de choses que Dieu peut faire à travers chacun de nous. Amen. Il y a des choses que le Seigneur nous a promis. Il y a mes voisins, par exemple, qui ne sont pas chrétiens. Je vois beaucoup de personnes aller en enfer chaque jour. Et mon cœur aimerait bien que ces personnes-là acceptent le Seigneur. Je veux vivre Dieu davantage. Je veux témoigner du Seigneur encore davantage. Quand je compare ma vie avec la vie de ce que je vois dans la parole, de tout ce que les enfants de Dieu ont fait, de la manière dont ils ont vécu le Seigneur, je suis tellement loin. Je dis, Seigneur, je veux te donner encore ma vie davantage afin de voir les âmes encore sauvées. J'ai besoin de plus de ta force. La force pour demeurer dans ta présence. La force pour vivre ta parole. J'ai besoin de toi. Yahweh, je veux te vivre. Je ne suis pas satisfait. Je veux te vivre encore davantage. C'est ça dont je parle. J'ai une minute. Amen. Amen. Je suis d'accord. Amen. Amen. Donc, une minute pour une femme aussi, qu'on priait ensemble, même ma femme qui a dit, elle veut avoir les âmes sauvées. Elle a prié. Elle dit, elle veut voir la puissance. On est arrivé, bon, on allait la loger au milieu des Arabes. Elle dit, mais je ne veux pas vivre ici. C'est ma femme, et tu lui as posé la question, mais tu viens de prier pour Dieu, si Yahweh, donne-moi les âmes. Pourquoi non? Tu me poses la question mais... Non, je dis, pourquoi non? Non, je ne vous pose pas la question. Elle dit, pourquoi non? Ça veut dire, se donner, si Dieu lui-même ne te donne pas, tu ne peux pas, parce qu'elle vient de prier, elle veut sauver les âmes. Elle crie, elle dit, elle veut voir plus. Elle arrive au milieu maintenant des Arabes, des choses. Elle dit, non, mais où on m'a amené? Où vous m'avez amené? Je ne peux pas habiter ici. Je suis désolé. D'accord, ça c'est son cas. C'est elle, c'est elle, elle ne revient ça avec le Seigneur. Im Moslemsversion, da hat man sie dort einen Unterkunft gegeben, genau da, wo die Muslime waren.
Und die Frage ist, ich möchte bloß, und da haben die gesagt, du hast vorhin gebetet, du möchtest auf das Welte gerettet werden. Und warum möchtest du jetzt nicht dort leben? Und deswegen sagen wir, das ist ihr Fall. Sie hat gebetet, war sie dahin gebracht. Amen. Parce qu'en fait, il faut comprendre. Vous savez, frères et sœurs, la sincérité envers le Seigneur, je crois que j'en ai parlé ça un peu la dernière fois. Quand on parle avec Dieu, c'est pas seulement pour faire le blablabla. Parler. Vous savez, dans la prière, pendant l'ordre de la prière, il y a des choses qui montent dans notre cœur. Il y a des fardeaux que le Seigneur met dans notre cœur. Vous comprenez? La manière dont toi tu peux avoir le fardeau pour les sans-abri, ce n'est pas forcément ce qui se passe au-dedans de moi. Le Seigneur peut mettre un autre fardeau pour moi pour les orphelins. Vous comprenez? Weisen. Donc en fait, c'est Dieu lui-même qui crée ça en nous. Also, in effect, the Vic is the Herr in uns. Donc même quand tu es en train de prier, Seigneur, je veux de ta présence. Tu ne peux pas imaginer, c'est Dieu qui veut encore que tu sois encore plus dans sa présence. Herr verlangt für dich noch mehr in Gegenwart bleibst. Tu comprends? Donc en fait, le cas de cette dame, je ne veux pas vouloir parler de son cas ou de quoi que ce soit, mais la satisfaction. Dieu crée ça en nous. Où tu veux davantage de sa présence. Où tu veux vivre au Seigneur davantage. Tu veux l'obéir davantage. Parce que tu sais à combien de fois tu n'as pas été obéissant. Obéissant dans les petites choses. Les choses les plus simples. Prenons seulement le cas de la prière, parce que nous sommes en train de parler de la prière. Tu sens au nom de toi, prie maintenant. Dieu veut que tu intercèdes pour une personne. Et tu ne le fais pas. Par exemple, bon, je suis en ce moment occupé, je dois faire telle chose. Qui a déjà vécu cette situation? Amen. Amen. Ça nous arrive nous tous. Et après, quand on vient maintenant pour prier, on se rend compte qu'on a désobéi. Et on commence à demander d'abord, on demande pardon. Qui convainc du péché? L'Esprit. Et pourquoi il convainc du péché? Parce que c'est lui qui nous a donné le sujet. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai posé la question depuis le début. Ça me fait pas que sommes-nous tous des chrétiens ici? Parlons des choses que nous connaissons. Les choses qui se passent dans les enfants de Dieu. Si tu dis que Jésus est le Seigneur, si nous disons que Jésus est Seigneur, alors nous devons faire ce que nous nous demandons. Mais pour bien entendre ma voix, elles me suivent. Alléluia. Amen. Donc, la désobéissance nous empêche de vivre la présence de Dieu. In der uns Gottes Gegenwart zu leben. Amen. Amen. Et lorsqu'on ne vit pas la présence de Dieu, wenn wir das nicht leben, was wir Gegenwart Gottes, on tombe facilement dans le péché. Fallen wir einfach in die Sünde. Moi, je ne suis pas satisfait de ma vie de prière. Also, ich bin nicht zufrieden in meinem Gebetsleben. Il ne s'agit pas du temps. Il s'agit de l'obéissance. Obéir quand il veut prier. Obéir quand il veut venir, viens. À des moments où tu veux même manger. Parce que ce moment où tu veux manger. Au moment où tu veux manger. Tu sens en besoin de toi. Tu peux se manger.
attentif à une seule voix. Mon fils vient quand on parle avec toi. Je me dirais. Qui a déjà fait question? Peut-être je m'élève. Alléluia. Amen. Donc en fait, pourquoi ne faites-vous pas ce que je vous dis? Disons rapidement la suite de ce verset, verset 47. Lucas, chapitre 6, verset 27. Il est écrit, quiconque vient à moi et écoute mes paroles et les met en pratique, je vous montrerai à qui il est semblable. Ich möchte zeigen, wem er gleich ist. Alléluia. Amen. Bon. Depuis, on a essayé depuis de se poser des questions. Maintenant, on va regarder un peu la parole. Le Seigneur dit que celui qui obéit à ma parole, c'est-à-dire celui qui écoute ma parole et qui met en pratique, voici à quoi il ressemble. Alléluia. Voici à quoi cette personne-là ressemble. Schaut, wem diese Person gleich ist. J'attire vraiment votre attention sur cette histoire. Seid wirklich aufmerksam. Parce que moi, j'aime bien quand on est sincère envers soi. Ich mag es gern, wenn man wahr ist zu sich selbst. Quand tu rentres au fin fond de toi, wenn du in dir reingehst, et tu vois, ah, du siehst, wow, Seigneur. Hey. Il dit, exact. Cette personne est semblable. Il est semblable à un être humain qui, bâtissant une maison, a creusé profondément. Er ist ein Mensch gleich, der ein Haus baute, grub und vertiefte, et a mis le fondement sur le roc, und den Grund auf den Felsen legte. Mais une inondation est venue, als aber eine Flut kam, et le torrent s'est jeté contre cette maison. Der Strom an jenes Haus. Sans pouvoir l'ébranler. Und konnte es nicht erschüttern. Parce qu'elle était bâtie sur le roc. Weil es gut gebaut war. Alléluia. Amen. Donc en fait, le vent est venu. Strom ist gekommen, der Wind. Le vent, ça représente les tentations. Also der Strom, die Versuchungen. Les combats. Die Kämpfe. Alléluia. Amen. Suivons bien. Folgt. Suivons bien. Folgt. Le vent frappe. Der Wind stößt. Mais cette maison n'est pas tombée. Comment est-ce que c'est ungefallen? Donc en fait, cette maison a été attaquée. Das heißt, dieses Haus wurde attaquiert. Tentation. Versucht. Péché. Sünde. Les trucs sont venus. Dinge sind gekommen. Beaucoup de choses sont venues. Viele Dinge sind gekommen. Elle est restée stable. Aber das Haus ist nicht stabil geblieben. Alléluia. Amen. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique, der aber gehört und nicht getan hat, est semblable à un être humain, ist einem Menschen gleich, qui a bâti une maison sur la terre, der ein Haus auf der Erde baute, sans fondement, ohne Grundmauer. Le torrent s'est jeté contre elle, der Strom stieß daran, et immédiatement elle est tombée, und so gleich fiel es. Et la ruine de cette maison a été grande. Und der Sturz jenes Hauses war groß. Alléluia. Amen. Regardez. Schaut. La maison du premier. Das Haus von dem ersten. Cette personne-là a creusé. Erstmal nach unten gegraben. Donc en fait, cette personne est rentrée en profondeur. Also, diese Person ist in die Tiefe gegangen. Cette personne n'a pas vu que bon, là ça va, ça fonctionne, là c'est bon. J'ai creusé. La personne est rentrée en profondeur. Richtig in die Tiefe gegangen, weiter. Fouiller, descendre. Weiter runter. Pour la construire. Um sie zu bauen. Amen. Amen. Ce jour-là, cette nuit-là, diese Nacht, prière, Nachtgebet, von sich vorne. On s'est posé des questions. Sie haben sich Fragen gestellt. Pose-toi la question toi-même. Stell dir cette Frage. Pourquoi Warum? Tu désobéis? Bist du ungehorsam? Tu regardes les choses que tu fais un peu dans ta vie. Jeder guckt, was tust du in deinem Leben? Pourquoi je désobéis souvent au niveau de la prière? Warum bin ich oft, was das Thema Gebet angeht, ungehorsam? Quelle est mon attitude devant la nourriture? Wie ist mein Verhalten
Quelle est mon attitude devant telle ou telle ou telle chose? Mon frère, ma soeur, Geschwister, tu ne peux pas te mentir. Du kannst dich nicht selbst belügen. Tu vas voir qu'il y a des choses dans ta vie. Du wirst bemerken, es gibt Dinge in deinem Leben, où tu, sois, tu les choisis au lieu de choisir le Seigneur. Wo du die anderen Dinge auswählst, anstatt den Herrn auszuwählen. Soit ce sont les regards des hommes. Oftens, vielleicht die, wie die Menschen okay. Anschauen. Va distribuer les tracts. Geh die Flyers verteilen. Pourquoi tu ne le fais pas? Warum tust du das nicht? Ce jour-là, imaginons un peu. Stell dir vor, an diesem Tag. Je serai rentré à Mille. Ich bin nach Hause gegangen. J'ai pas fait. Ich habe nicht getan. Also ich hätte nicht verteilt. Et j'allais commencer à me poser la question. Ich bin die Frage gestellt. Pourquoi t'as pas fait? Warum hast du das nicht getan? Bon, le temps. Est-ce qu'on est? Un moment où je me suis arrêté, j'ai dit, mais nous sommes quand même dans un pays libre. Hein? Je crois pas que quelqu'un va venir me taper ou bien. Je me demande combien de rien haute, ça sonne. Poignarder ou bien quoi, non, on a quand même les droits ici. Donc, allez-y. Ils vont me faire quoi? Après, j'ai pensé encore à une histoire qui m'était arrivée à longtemps. Là, c'est une histoire qui m'est arrivée à longtemps. Yeah, si ça m'arrive encore. Est-ce que je vais passer? Parce qu'une fois, j'ai donné le tract à une personne dehors. Là. Et le gars m'a regardé comme ça. Une personne, je suis en train de chanter. Je vois, en français. Et le gars m'a regardé. Il a mis la personne m'a regardé. Même à tes autres demandes. Il dit, ah, je vais tomber trop bas là. La personne dit, je suis tombé trop bas. Ah. Un africain. Un africain. Un africain veut me convertir. Fictif, je vais tomber trop bas. Tomber trop bas. Dans la tête exacte. Geh weg von mir! Weg, weg, weg! Meine Kids! Ich bin so weggegangen. Ich bin so weggegangen. Ich habe Angst. Ich habe mich geschämt. Et donc ce jour-là, cette image est encore revenue. Also diese Szene auf dem Weg zu... wo der Herr mich gewonnen hat, ist wieder gekommen. Ah, ja, wenn das noch passiert. Je tiefer man schaut, plus on regarde en profondeur, also, je tiefer du schaust, plus tu découvres la chose qui fait en sorte que tu ne obéisses pas au Seigneur. Also, umso tiefer du triffst, Königin, wenn du dich selbst schaust, wirst du die Dinge erkennen, die dich daran hindern, den Herrn zu gehorchen. Dans ce cas, in diesem Fall, la peur des hommes. Das ist die Angst vor Menschen. Les regards des hommes. Die Blicke anderer Menschen. Ce que les gens vont dire. Die Dinge, die die Menschen sagen werden. Pourtant, ils ne vont rien faire. Im Endeffekt werden die nichts tun. Et d'un seul coup, und plötzlich, tu te rends compte que tu obéis plus les regards des hommes. Stellst du fest, dass du mehr gehorsam bist zu den Blicken der Menschen, que la voix du Seigneur. Als die Stimme vom Herrn. C'est ça, aller aussi en profondeur. Das ist auch eine Tiefe gehen, also tiefe graben in dir selbst. Aller découvrir ce que la Bible dit, les idoles qui sont dans notre cœur. Feststellen, die Götzen, die du in deinem Herzen hast. Les choses qu'on a élevées, die Dinge, die du erhoben hast in deinem Herzen, au-dessus de la parole. Und du hast sie sogar über das Wort erhoben. On l'a dit de notre propre bouche. Wir sagen es von der Bibel. Oui. Ja. Oui. Ja. Mais pourquoi on désobéit? Warum sind wir ungehorsam? Posez-vous, posons-nous tous la question. Stellen wir uns alle die Frage.
Pourquoi nous désobéissons? Warum sind wir ungehorsam? Dis à ta femme des choses. Et quand on fouille, tu vas voir que c'est la peur de l'homme. Celui-là, il a creusé. Jusqu'à ce qu'il arrive comme sur le roc. Bis er auf dem Felsen angekommen ist. Le roc qui est Joshua. Der Felsen, der Joshua selbst ist. Il dit non. Er sagt nein. Je creuse. Ich grabe. Je veux rester là sur Joshua, ma chère. Quand les vents frappent, wenn die Ströme je suis sur Joshua. Da. Rien ne se passe. Nichts kann passieren. Et effectivement, rien ne se passe. Es ist wirklich so, es passiert nichts. Je suis parti, j'ai distribué, je suis rentré à la maison. Je suis bien fatal, je suis bien rentré. J'arrive à la maison, j'étais à la cuisine. Qu'est-ce que c'est que je suis bien rentré dans la maison, dans le la cuisine. Tu vois ce que j'ai fait? Je vais distribuer les frères seuls. Oh, allez, les frères seuls. Moi, tu t'es pas avec eux. Non, c'est quelque chose. Non, j'ai rien, on a fait ça. T'as personne qui m'a fait ça. J'en ai fait. T'as son nid qui m'a fait. Wow. C'est bien. Exactement. Exactement. Wow. C'est cool. Et là, je me suis dit, da habe ich mir die Frage gestellt. Est-ce que je suis obligé d'attendre? Bin ich verpflichtet, der Bruder werden zu machen? Est-ce que je suis obligé d'attendre? Bin ich verpflichtet, der Bruder werden zu machen? Dieu ne va pas attendre que d'autres personnes viennent pour qu'on obéisse au Seigneur. Der Herr wird nicht darauf warten, dass die 10 von seinem Egoismus sind. Le Seigneur est en train de nous dire aujourd'hui. Der Herr sagt uns heute. Pourquoi nous n'obéissons pas? Warum sind wir ungehorsam? Si nous l'appelons Seigneur, wenn wir ihn Herrn rufen, il est temps, es ist die Zeit, de regarder en nous, in die selbst zu schauen, dans notre comportement de tous les jours, in unserem Verhalten, dans notre vie de tous les jours, in unserem alltäglichen Leben, qu'est-ce qu'on a élevé au-dessus de Dieu? Was haben wir über dem Herrn erhoben? Non, fouille bien, mon frère, ma soeur. Bruder, Schwester, schaue. Qu'est-ce que tu as mis au-dessus du Seigneur? Was hast du über dem Herrn erhoben? Sans te rendre. Ohne dir fest, ohne dir klar zu sein, dass du es getan hast. Parce que ce sont ces choses-là. Denn es sind diese Dinge, qui nous amènent dans la désobéissance. Die uns in Ungehorsam bringen. Die Sorgen der Welt. Les soucis de ce monde. Les regards des hommes. Les Blicke der Menschen. Qu'est-ce que mes amis diront? Ah, was werden meine Freunde sagen? Qu'est-ce que mes collègues diront? Meine Kollegen, was sollen die sagen? Qu'est-ce que les membres de ma famille diront? Ah, meine Eltern, meine Familienmitglieder, was sollen die von mir sagen? Alléluia! Amen! Vous savez dans la Bible le verset qui dit nous sommes le sel de la terre. Vous connaissez ça? Quel est le verset? Vous dites que vous êtes le sel de la terre. Quel est ce? Quand on parle de la saveur, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, vous connaissez le verset là? Pendant qu'on était travaillé à la fin de la BJC, la Bible, la traduction de la Bible, je suis tombé sur ce verset là en lisant la deuxième fois. La saveur là, c'est le même mot qui signifie la folie. Donc en fait, c'est comme quand la Bible dit nous sommes le sel de la terre. Si tu perds la saveur, si tu perds la folie, du effet. Du bist das Salz der Erde und wenn du deinen Geschmack verlierst, also deine Verrücktheit. Parce que l'évangile, c'est-à-dire l'évangile de la croix, c'est comme la folie. Denn das Evangelium vom Kreuz ist wie Verrücktheit. Donc l'obéissance à Dieu, c'est comme la folie. Das heißt, die Gehorsam zum Herrn ist wie, was ist verrückt? Alléluia. Amen. Christian, on est parti quelque part une fois avec ma femme.
il y a une, on faisait le umzuka, on faisait le déménagement. Et il y a une femme qui est venue, si tu peux prier pour mon enfant. J'ai commencé à prier pour l'enfant. Pendant que je chantais prier pour l'enfant, j'ai dit cet enfant-là était empoisonné. On lui a donné la sorcellerie. Une femme est venue lui donner telle nourriture. Pam. La maman était de pleurer. Pendant ce temps, ma femme était de dire, j'espère que c'est que tu as donné là. On verra une des attaques. Elle me dit c'est vrai. J'ai dit non, la femme est comme ça. Elle a des phrases, on a des détails. Elle a commencé. Je me rappelle. On dit que je viens, mais je dis non. Maintenant, moi-même, aussi, quand j'ai fini de parler. On a fait qu'ils aient fait, tu vas me rêver. Parce que. Tu cours le risque. De raconter n'importe quoi. Et après, tu te rends compte, tu te dis, mais. Cette histoire. Mais c'est comme la folie. Nous sommes la saveur, c'est-à-dire, nous sommes le sel de la terre. Donc, on a une saveur. Et c'est comme le même terme signifie, c'est la folie. Donc, si on perd notre folie, on est fini. Donc venir par là, quelqu'un comme ça vous dit, Jésus t'aime. Quand il te regarde comme ça, il dit, tu es fou. Il dit, tu es fou. Cette dame-là, ce jour-là, quand elle regarde comme ça, elle a beau pleurer, elle dit, mais le gars, ce qu'il dit là, c'est vrai. Mais c'est bizarre, quoi. C'est komisch. Comment elle a fait pour savoir ça? Sorcier. C'est un hexa. Ça, c'est ma folie, ça. Mais c'est horrible, quoi. Ah, non. Donc, quand vous... T'as une visite, elle est horrible. L'obéissance. L'obéissance. Donc, tu rentres en profondeur. Tu vois ces choses-là que tu as élevées au-dessus de Dieu. Tu les amènes avec tant de sincérité devant le Seigneur. Frères et sœurs, ceux qui partent loin avec le Seigneur, c'est ceux qui sont vrais. Allez loin avec le Seigneur. Vous savez, la Bible dit que nous aurons les couronnes. Il y en a qui auront les couronnes. Donc en fait, quand tu vis l'obéissance comme ça, quand Dieu t'utilise de la sorte, il t'utilise davantage. Juste, tu vis les grandes choses. Jean 15. On va terminer avec ça. Parce qu'en fait, alléluia. Amen. Jean 15 à partir du verset 1. Vous savez, celui qui obéit, celui qui fait la parole de Dieu, il produit des fruits. Et les fruits, là, on voit ça. Tout le monde voit les fruits. La joie, la paix, l'amour, voilà la patience. Alléluia. Amen. Beaucoup de choses, on voit ça. Même les enfants sont prêts à dire, il est là. C'est mon père, c'est ma mère. Yeah. Alléluia. Amen. Les fruits ne mentent pas. La Bible dit qu'on connaît un arbre à quoi? À ses fruits. Ils ont un baum an seinen Früchten. Ah, ça me brûle déjà. Ils ont été appelés chrétiens pourquoi? Warum wurden die Christen genannt? Parce qu'on a vu les fruits. Warum hat die Früchte in den gesehen? Les fruits ressemblaient à Yeshua. Die Früchte waren dieselben Früchte, die
Et c'est pourquoi on les a appelés chrétiens. Alléluia. Amen. Oh. Voilà. Donc en fait, et quand et il est bien dit ici, hein, lisons ensemble. Verset 1. Je suis le véritable cep. Et mon père le vigneron. Tout sarment qui ne porte pas de fruits en moi, il retranche et il émonte tout. Tout celui qui porte du fruit. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Dass sie mehr Frucht bringt. Alléluia. Amen. Donc en fait, quand on devient enfant de Dieu, wenn man Kind Gottes wird, il nous a greffé, donc il nous place à l'arbre. Also er hat uns an dem Baum dran gemacht. Nous sommes appelés à porter des fruits. Sind wir dazu berufen, Früchte zu bringen. Nous sommes des oints. Wir sind Gesalbte. Donc en fait, un oint. Also ein Gesalbter. Comme Galates 5 le dit. Wie Galater 5 sagt. Porte les fruits de l'esprit. Trägt Früchte vom Heiligen Geist. Alléluia. Amen. Donc quand on ne porte pas les fruits de l'esprit, wenn du keine Früchte vom Heiligen Geist bringst, on doit se poser des questions. Müssen wir uns Fragen stellen. Où sommes-nous? Wo sind wir? On doit creuser. Wir müssen graben. Rentrer en profondeur. S'observer soi-même. Sich selbst beobachten. S'examiner véritablement. Sich examinieren. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Was geht, was funktioniert mit mir? Was klappt nicht mit mir? Alléluia. Amen. La Bible dit bien, examine-toi pour savoir si tu es encore dans la foi. La Bible dit examine dich selbst, damit du weißt, ob du noch im Glauben bist. Tout sarment, jede Rebe, qui ne porte pas de fruits, il retranche. Die keine Frucht bringt, die nimmt er weg. Donc en fait, nous sommes appelés à porter les fruits. Wir sind berufen, Früchte zu bringen. Nous sommes appelés à porter les fruits de l'esprit qui sont la joie. Wir sind dazu berufen, die Früchte vom Heiligen Geist zu bringen. Die Freude, l'amour, die Liebe, la paix. Frieden, la patience, Geduld, toutes ces choses-là. Alle diese Dinge. Même la sanctification est un fruit. Sogar die Heiligung ist eine Frucht. Alléluia. Amen. Même la foi est un fruit. Sogar der Glaube ist eine Frucht. Amen. Amen. La patience. Die Geduld. C'est quoi le contraire de l'orgueil? Was ist das Gegenteil von Hochmut? L'humilité. Demut. L'humilité est aussi un fruit de l'esprit. Auch eine Frucht vom Heiligen Geist. L'humilité, toutes ces choses, il y a plein comme ça. So viele Dinge. Et tout le monde voit ces fruits. Und alle Menschen sehen diese Früchte. Ta manière de parler, reden, ta manière d'agir, handeln, les fruits, on les voit. Die Früchte sieht man. Alléluia. Amen. Vous êtes déjà pur, verset 3. Ihr seid schon rein. À cause de la parole que je vous ai fait entendre. Um des Wortes des Willens, das ich zu euch geredet habe. Demeurez en moi. Bleibt in mir. Et moi en vous. Und ich in euch. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann. S'il ne demeure pas attaché au cep. Sie bleiben denn am Weinstock. Ainsi vous ne le pouvez pas non plus. So auch ihr nicht. Si vous ne demeurez pas en moi. Ihr bleibt denn in mir. Alléluia. Amen. Donc en fait, demeurer en Christ. Bleibt in Christus. C'est lorsque Christ reste Seigneur. Wenn der Herr das bleibt, wenn der Herr denn, wenn der Jesus denn Herr bleibt. Donc maintenant, s'il y a des choses qui sont où toi-même tu es propre Seigneur. Wenn es Dinge gibt, wo du selbst dein eigener Herr bist. Comment demeures-tu dans le Seigneur? Wie bleibst du in Christus? Wie kann das sein? Parce qu'il dit, weil er sagt, appelez Seigneur, Seigneur. Ihr ruft mich Herr, Herr. Mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Aber ihr tut nicht das, was ich von euch verlange. Alors la clé pour porter du fruit, das heißt, aber der Schlüssel, um Früchte zu bringen, c'est de demeurer en Christ, ist im Herrn zu bleiben, de faire de lui le Seigneur des Seigneurs, und ihm den Herrn der Herrschaft zu machen. Dans tout ce qui se passe en nous. In allem, was in deinem Leben passiert. Oh, frères et sœurs. Amen. Quand j'ai commencé à fouiller, quand j'ai commencé à creuser, je vois que non, les médias ont pris mon cœur. Seigneur, les médias là non. Je vois que même la nourriture,
Je vois que telle chose. Portable. Et tu es là, c'est comme si tu ne peux plus rester devant. C'est ça le portable. Oh, YouTube. YouTube. Tu es là, YouTube. Tu passes ton temps. YouTube. Internet. Mon fils, tu cherches quoi? Mais ils ont pas tout ce là. Oh, ça fait rire. Oh, ça fait rire. Finger nos os. Pourtant, tu sens le toi, pas prier. Bete, sing, lobe den Herrn. Prie pour telle personne. Bete für diese Person. Fais telle chose. Tu dis à jenes. Aber das ist nur so. Ganz so. Ça, c'est pour ceux qui ont les manches qui sont en tout. Oh, tel a dit ça. Ah, là, qu'est-ce que ça? Ah, comment ça passait? La télévision. Ah, Fernseher. Oh, n'importe quoi. Oh, aujourd'hui, c'est le documentaire. Ah, c'est documentaire. Ah, on parle de la mort de tel. Je suis content de faire exceptionnel. Ah, c'est que je dois voir. Tu regardes la montre. 10 minutes déjà passées. 10 minutes, je peux pas. Intérieurement. Laisse ça, va prier. C'est pas important. Laisse ça. C'est wichtig. Ok, encore 5 minutes. Ah non, 5 minutes. Après. Non, donc le gars est comme ça. Ah, demain les os. Non, c'est pas vrai. Tout d'un coup, plötzlich. 10 minutes passent. 5 minutes. Non, intérieurement, tu sens. Une des cheveux sous là-bas. Laisse tout ça. Laisse ça. Ok, je vais bientôt laisser. Va te chier. La femme aussi était dedans. Ah, je ne peux pas voir la graine. C'est pas possible. Parce que je me fiche. Intéressant. Une heure. Deux heures. Maintenant, on va prier. Qu'est-ce que tu veux dire? Ok, Seigneur. C'est bon, Dieu. Du schläfst. Ja, du schnarchst. Ja, wo ist das? Tu sens même dans ton cœur, réponds-toi. Je peux te donner un herz. Réponds-toi. Réponds-toi. C'est quoi la télévision est ton Dieu? On rigole comme ça. Mais là, quand même. Ce sont ces choses-là qui vont envoyer un enfer. C'est des dingues qui vont dire le bruit. On nous envoie un enfer. Est-ce que nous dire le parce que le monde s'amuse avec ça. Est-ce que le monde t'a vu que je passe dans le monde? On traîne avec ces choses-là. On laisse ça. On appelle ça nos petites choses. Je crois que je vous ai raconté une histoire sur la fête des petites choses-là. Je ne sais plus, j'étais là. À Stuttgart une fois. On a fait des petites choses. Je vais terminer par là. Parce que nous appelons nos petites choses. Je pense qu'il est fort qu'il fasse attention de tomber. Parce qu'il y a des choses qui sont dans le nous là. On ne veut pas arranger ça avec le Seigneur. On sait très bien que ce sont ces choses-là qui nous empêchent de vivre vraiment la présence de Dieu. Qu'on appelle nos petites choses. Oh, ça c'est moi. Ah, moi je suis comme ça. C'est ton toi qui es comme ça. Tu es comme ça. Das ist deine Art, ich bin so, werde ich die Hilfe bringen. Un pasteur que je connais, j'ai quand même connu. Un pasteur qui a une histoire que je kannte. J'ai terminé par là. Sa femme. Die Frau vom Pasteur. En fait, ils se sont réunis un matin pour prier. Also, die haben sich morgens verabredet. Avant que les gens viennent à l'église là, le matin. Là. Also, un dimanche matin. Un Sonntag, vor dem Gebet, haben sie dieses Paar sich zusammengetan, um zu beten, bevor die Menschen kommen. Prière. On a partagé cette histoire. Ils étaient là, ils priaient. Une soeur commence à prophétiser.
eine Frau fängt zu, eine Schwester fängt an zu prophezeien. Celle qui prophétise, c'est la femme du pasteur. Qui prophétise, elle va dire, je dis, les frères vont pasteur. Donc la femme du dirigeant, peut-être. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Tous les jours, je vous dis de changer. D'enlever ces choses que vous appelez vos petites choses de votre vie. Ces choses qui m'éloignent de vous. Die Dinge entfernen mich von euch. Ces choses que vous appelez vos petites choses. Die Dinge, die ihr nur Kleinigkeit nennt. Vous ne voulez pas changer. Ihr wollt euch nicht ändern. Aujourd'hui, heute, je veux prendre une personne du milieu. Wenn ich eine Person unter euch nehmen. Et comme ça, vous allez apprendre ma crainte. Und dann werdet ihr anfangen zu lernen, mich zu fürchten. La personne qui prophétisait. Die Person, die prophétisait, est tombée morte. Sie selbst ist gestorben. Boom. Hop. Toucher le cœur. Il a versucht, Herz zu machen, alles réanimer, vorbei. Les petites choses. Kleinigkeit. Oh, ça, c'est moi. Ah, so bin ich doch. Moi, je suis comme ça. Ich bin so, mein Art zu handeln und so. Est-ce que toi, de toi, là, du, mit deinem du, est-ce que c'est bon pour mon Dieu? Ist dein du gut für Gott? Faut rentrer dans les profondeurs, là. Gehen die Tiefe. Moi, je vous parle des choses des gens qui veulent. Qui veulent une autre, un autre état de vie avec Yeshua. Je parle de gens qui veulent un autre leben, leben möchte mit dem Herrn. Yeshua. Petite chose. Kleinigkeit. En moi, ça c'est ma manière de faire. Also bin ich, moi, je fais toujours comme ça. Je me réveille toujours à tel. Dieu te réveille avant. Der Herr weckt dich vorher. Non. Nee. Moi, c'est toujours à tel. Mais ma fille, moi, je veux te voir maintenant, ou bien mon fils avant. Moi, c'est toujours à tel. Ça, c'est moi. Quand tu es comme ça, qui est celui? Qui est celui? Toi-même? Vous êtes. Celui qui est né de l'esprit. Il est comme un gars qui geboren ist. Il est comme le vent. Es wie der Wind. Quand il dit à gauche. Und er sagt links. À gauche. Rechts. Le message que je vous donne aujourd'hui. Die Botschaft, die ich heute empfange. Qui a un rapport avec l'obéissance. Die mit der Gehorsamkeit zu hat. C'est que chacun. Es ist, dass jeder von uns. En toute sincérité. Wahrheit. Dans la vérité. In der Wahrheit. Regarde mon frère. In sich selbst schaut er mit dem Herzen. Pourquoi je désobéis? Warum bin ich ungehorsam? Quelles sont les choses que j'ai élevées dans ma vie? Welche sind die Dinge, die ich erhoben habe? Qui me poussent à désobéir? Die mich dazu bringen, den König der Könige nicht zu gehorchen, zu gehen. Dans la Bible dit, Branchen. Obwohl die Bibel sagt, mais pour bien entendre ma voix, meine Schafe. Und ich sage, ne s'arrête pas là! Aber es endet nicht da. Mais pour bien entendre ma voix. Tu hörst meine Stimme, ja? Il ne s'est pas arrêté là. Das ist nicht da geändert. Ça continue comment? Es ging weiter. Und wie? Und folgen wir. Est-ce que tu as reconnu la voix? Hast du die Stimme erkannt? Alors pourquoi t'as pas suivi? Wenn ja, warum hast du die Stimme nicht gefolgt? Est-ce que nous avons reconnu la voix? Haben wir die Stimme erkannt? Pourquoi n'avons-nous pas suivi? Warum haben wir nicht gefolgt? Warum bin ich schon wieder? Ich bin selbst auch getroffen. Alléluia. Amen. Je vais prendre aussi dans cet état. Je me cherche dans un stade de glace. Je partageais ça avec un frère, quelqu'un que je connais, et il m'a sorti un verset. Comme si c'était un Bouddha qui était, d'être mes vers rausgebracht. Il dit mon frère. C'est mon Bouddha. C'est l'histoire de la femme là, de là. Ça se fait mal, c'est vrai. Ça, c'est une histoire de la foi, de l'Église. Mais je mérite encourager. Moi, je pense que j'ai menti. Tu connais l'histoire dans la Bible? Qu'est-ce que tu dis de la Bible? Les deux enfants là, les deux fils, où le papa dit, va faire. Vous devez dire que je suis pas d'avoir des femmes gays autour. Elle dit oui, je veux faire. Il dit, ja, je vais faire. Et l'autre refuse même. Les autres, tout se dit. Et à la fin, la mende, celui qui a dit oui, derjenige, der ja gesagt hat, n'est pas parti. Er ist gegangen. Celui qui a dit non, il a nein gesagt. Il a d'abord désobéi, mais il a fait quoi? Il s'est rattrapé. Après, il est allé faire. Il a ce qu'il a fait.
Et le Seigneur pose la question à la fin. Entre les deux là, qui a obéi? Et les gens ont répondu, le deuxième. Alléluia. Amen. Quand le feu m'a sorti le vaisseau, mon cœur fait pas. Ah! That's what I mean, that's what I mean. My head said, wow. Je me sentais mal. Donc après, j'ai quand même obéi. Alléluia. Amen. Rattrapons-nous, frères et sœurs. Rattrapons-nous. Il y a des choses que le Seigneur nous a dit de faire. Qu'on n'a pas fait. On a désobéi. Rattrapons-nous. Revenons sur le chemin. Alléluia. Amen. Et commençons à faire pratiquer les œuvres de Yahushua. Et tout ça commence avec la sincérité, la vérité. Yahweh, ça là j'ai mis ça au-dessus de toi. Aide-moi à me débarrasser de ça. Et là tu commences à vivre. Tu commences à vivre le roi de Dieu. Tu sens comment ton cœur commence à chauffer comme ça. Je peux te dire. Les gens ont marché comme ça avec une personne. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de marcher avec le roi des rois. Mais une chose à la fin, ils disent que. Mais quand ils nous parlaient là, notre cœur chauffait d'une manière. Yahweh est avec nous. Quand il nous donne de tels messages, il est avec nous. Mais il veut que nous changions. Dans Jean 15, nous avons lu, il est dit qu'il est monde afin que nous portions encore plus de fruits. Donc le Seigneur veut nous émonder. Le Seigneur veut que nous demeurons en lui. Le Seigneur veut que, en fait, il veut nous changer. Pour que nous portions encore plus de fruits. Frères et sœurs, ne soyons pas satisfaits de là où nous sommes. L'heure est venue de porter plus de fruits. Et dire, papa, émonde-moi davantage. Parce que je veux porter plus de fruits. Je veux plus de ta présence. Les gens prenaient leurs habits, déposaient ça sur Paul comme ça pour aller où elle voulait. Yahweh, je veux prier aussi. Quand tu me pousses, amen, prie pour que je prie et le malade est guéri. Alléluia. La personne est guérie. Bon, ma soeur, ta foi t'a sauvé. Prier. Yahweh, je veux vivre ta présence. Je t'ai vu délivré. Seigneur, Herr, tu es capable de le faire. Alléluia. Amen. La Bible dit aussi plusieurs fois. Il y en a qui n'étaient pas satisfaits. Non. Ils ont prié davantage. Pour que plus se passe. Ah. Mon frère, ma soeur, qu'on se lève dans la prière. Qu'on se lève afin d'obéir au partage du Seigneur. Ne restons pas là seulement comme ça. Non. Yahweh veut nous voir dans sa présence. Plus encore. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. C'est pas ça la prière. Que ton règne vienne. Qu'est-ce que ça veut dire que ton règne vienne? Il règne dans ta vie. Il règne dans ta maison. Il règne dans tes enfants. Est-ce que tous tes enfants ont accepté le Seigneur? Est-ce que tous les membres de ta famille ont accepté le Seigneur? Yahweh vient régner. Tu es capable de changer le cœur de telle personne. Je ne veux pas baisser les bras, Yahweh. Tu es capable de le faire. Yahushua, viens régner. Comme régner. Alléluia. Amen. C'est ça vouloir plus de la présence de Dieu. Yahweh, manifeste ton avantage.
C'est les grandes choses que le Seigneur est capable de faire. Il faut qu'on aille au-delà. Et créer davantage, et monde nous davantage, manifeste davantage. Seigneur, je n'étais pas encore vraiment vécu. Je veux vraiment te vivre. Alléluia. Prions dans le nom de Yahushua. Ceux qui veulent voir encore davantage, que Yahweh se manifeste. Oh Père éternel. Yahushua, nous voulons te voir. Nous voulons te voir agir au cœur de chacun de nous. Oh papa. Allez, tu es là.